allez, c'est parti, je vais commencer à restaurer ma culasse. Donc tu vois, il y a pas mal de calamine dedans. Il y a la petite bougie et ils ont mis deux cercaps avec une tige pour tenir le décompresseur. Donc ça, je vais le réparer en même temps. La bougie. Les deux trucs, les deux serre-câbles. Voilà. Le décompresseur. Il manque à démonter le support de décompresseur. Voilà. Maintenant, je vais nettoyer tout l'intérieur. Avec une petite brosse métallique rotative pour décalaminer d'abord. Voilà, c'est tout décalaminé, mais c'est noir, c'est normal, ça va partir avec le polissage. Bon, maintenant je vais faire un petit ponçage à l'eau. Là, j'ai pris du 1000 à l'eau. Ça va me donner une belle finition. Et après, je pourrai attaquer mon lustrage si c'est bien fait. Là, il y a un zérine, il est en train de me piquer mes outils. Mais chut, 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 chut. Je crois que ça passe sur la toile. Maintenant, je vais prendre du bel gomme alu. Je mets un peu sur le doigt. Attends. C'est pas bien serré. Je prends ma culasse. Là, je mets un petit coup de chiffon, tu vois. Ça ressort bien. Ça ressort même très très bien. Bon, avec le temps, la calamine elle va se reformer, mais après, pour le nettoyage, quand tu fais une révision, tu enlèves la culasse, tu peux même prendre un chiffon, tu fais ça, tu as toute la calamine qui s'en va. Mais là, il me reste encore du bubblegum dessus, et je vais mettre un coup de netteur en frein. Voilà. Bon, il y en a, ils s'amusent à polir la base de la culasse, mais ça sert à rien. C'est des fous. J'ai mes petites pièces, je les ai brossées. Je
peux les remonter sur la culasse. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça? YouTube. YouTube, abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne. Et après, par la suite, ben, je mettrai le petit pouce bleu et la petite cloche. Bravo. Comment j'ai fait? Ben, j'ai verni mon meuble, ma petite planche. Je l'ai reponcé pour casser les petites boulettes, les aspérités. Ensuite, c'était tout reponcé, j'ai pu mettre mon scotch. Hop, j'ai peint la bombe en rouge. J'ai laissé sécher, j'ai remis du vernis, j'ai étalé mon vernis au pinceau, ça va très bien. Et là, il est fixé sur la planche, il ne bouge plus. Donc, si je rajoute les petites notifications, le petit pouce en plus, ben, ça me fera une deuxième épaisseur là-dessus, une troisième sur la planche. C'est un peu de menuiserie, mais c'est sympa. Tu vernis ton truc. Et après, j'ai même fait des étagères, j'ai mis des pieds. C'est pour ça que j'arrête deux postes pour travailler maintenant. Donc, un poste, ce sera ici, et l'autre, ce sera à côté pour faire d'autres trucs. Ici, ce sera plus un peu plus. Ici, ce sera plus à la cool, plus de la démonstration. Donc, pour ça, je vais mettre le chiffon. Là, tu as la culasse. Et maintenant, bah, faut que je remonte l'ensemble alors. Donc les pièces, je les ai brossées pour enlever tous les dépôts. Et j'ai pris un rivet. Juste. Tu vois, j'ai pris un rivet. Normalement, il était comme ça. J'ai enlevé la petite tête, ce qui me donne ça. Je l'ai affûté en pointe devant et ça fait que j'ai une tête bombée ici. Donc comme ça, ben, quand je mettrai ça ici, ça va passer de part en part et j'ai juste à tordre cette partie, l'extrémité. Donc là, il faut que je remonte le rosseur et la partie qui tient le câble, ça se met comme ça. Ça a pris, je prends la clé de 12. Voilà. De l'autre côté, celui-ci, je le mets là en face. Voilà, la petite culasse remontée polie, pour nettoyer, compresseur c'est fait. Et voilà, allez, à plus.